Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes gabonaises et gabonais. Je vais débuter cette vidéo par un petit récapitulatif de ce qui s'est passé en 2009. Et je voudrais par la suite interpeller certains Gabonais, surtout ceux qui ont joué le rôle majeur dans la prise de pouvoir d'Ali Bongo. Nous, Gabonais, avons souvent tendance à rejeter l'histoire ou à ne pas apprendre du passé. Sérieusement, c'est un défaut pour nous les Gabonais et nous devons essayer de travailler, d'améliorer cela. Qu'est-ce qui s'est passé en 2009, en plus de ce que nous savons déjà, nous tous? En 2009, Monsieur Paul Biya Gemba, ancien Premier ministre du Gabon, Monsieur Léon-Paul Ngoulakia, ancien DG des renseignements, Monsieur Ernest Mpouépiga, il était, je crois, député suppléant, non, député du Haut-Ogooué, et Monsieur Bertrand Zibi Abégué, pour ne citer que ces quatre, ont mis en place une stratégie qui consistait à vider Libreville des jeunes, vider Libreville de la population jeune, surtout les jeunes garçons, pour justement limiter les effets d'une révolution ou d'une insurrection. Nous pensions à l'époque que lorsqu'on amenait les gens à l'intérieur du pays, c'était pour les faire voter. Non, ce n'était pas trop le vote le problème. C'était pour diminuer Libreville des jeunes, pour permettre, pour faciliter le coup d'État. Donc, ça, c'est quelque chose que vous, Gabonais, deviez savoir. Tout comme vous deviez savoir que l'avenir du Gabon en 2009 s'est décidé pas trop par les manières dont nous connaissons. Je suis au courant de pas mal d'informations aujourd'hui. Je voudrais interpeller mes compatriotes qui sont au PDG. Surtout les quatre noms que je viens de citer. Monsieur Paul Biya Gemba, Monsieur Léopold Ngoulakia qui nous a déjà rejoint, Monsieur Ernest Mpouépiga, Monsieur Bertrand Zibi Abégué, j'ajouterai Monsieur Blaise Louembé, j'ajouterai mon cher beau-frère Hervé Ompianga, j'ajouterai Mathias Otunga, Osibanjo. Je vais commencer par vous poser la question suivante. Êtes-vous satisfait aujourd'hui de la situation du pays? Êtes-vous satisfait de nous avoir imposé Ali Bongo au pouvoir qui par la suite nous impose des étrangers qui sont les seuls à ce moment, en ce moment, qui vivent bien au Gabon? Pendant que la majorité des Gabonais vivent croupissent dans la misère. Aujourd'hui, la crise est grave à tous les niveaux. Sauf chez l'ancien vendeur de cigarettes dans les caisses au Saint-Germain qu'on appelle Sédoukan, ou médecin à Colombessi, ou Liban Souleyman. Voilà ceux qui profitent de ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, le Gabon vous a fait quoi? Bertrand, Monsieur Biyogé, vous étiez à Miami, vous vous souvenez de moi? Vous étiez de passage à Miami, vous m'avez appelé un matin. On s'est vu, on a discuté. Je suis venu à Libreville, on a discuté.
Je ne suis pas un inconnu. Suis-je un inconnu de vous, M. Biyogé? Vous vous souvenez de notre conversation? Vous vous souvenez de ce que l'on s'est dit ici à Miami? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit dans votre bureau lorsque je suis venu vous voir à Libreville? Êtes-vous satisfait, M. Biyogé? Le Gabon vous a fait quoi? Vous avez installé quelqu'un au pouvoir qui met les étrangers. Ce sont eux qui dirigent. Aujourd'hui, Akromessi ne se gêne même plus. Même jusqu'à Jean Boniface Asselet, il va arracher les terrains. Mais s'il peut se permettre d'arracher le terrain de Boda Asselet, combien de fois le Gabonais lambda? Monsieur Biyogé, s'il vous plaît, c'est un Gabonais qui pleure, c'est le Gabon qui pleure. Vous êtes fils du Gabon. Le Gabon vous a fait quoi? Bertrand, Zibi, Nénès, Kumpoepiga, Léopold Boulaké nous a rejoint. Blaise Luembe, le Gabon t'a fait quoi? Mathias Otunga, Hervé Ompianga, tu sais ce que tu as subi. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons la possibilité de mettre un terme à ce régime. Parce que vous voyez, ici aux États-Unis, Ali Bongo est persona non grata. On ne veut plus entendre parler de lui. On ne veut plus du tout entendre parler d'Ali Bongo ici aux États-Unis. Et je vous le rassure, je suis dans le secret. N'ayez pas peur. Je vous dis la vérité. Ali Bongo est coincé. Il ne peut pas me toucher. Il ne peut pas toucher les cheveux d'un Gabonais. Tout ce qu'il peut faire, c'est intimider. Même les petits mercenaires qu'il est parti prendre à gauche, à droite, ils vont être neutralisés. J'ai pitié d'eux. J'ai pitié des pauvres parents dont les enfants sont venus au Gabon pour se faire éliminer comme des chiens. Parce que c'est ce qui va se passer. Ali sait qu'il a perdu le pouvoir. Vous faites quoi encore là-bas? Vous faites quoi? Isolez Ali, laissez-le. Il a reconnu qu'il a présenté un faux acte de naissance. Il n'a pas de papier. Donc sa candidature ne peut même pas être reconnue. Madame Marie-Madeleine Bourantou, la candidature d'Ali Bongo avec cet acte de naissance ne pourra pas être reconnue. Sommes-nous d'accord là-dessus? Ou voulez-vous prendre la responsabilité de porter les Gabonais sur votre dos? Parce que nous n'allons pas accepter cette fois-ci. Nous n'accepterons pas. Monsieur Abogela, écoutez bien. Allez-vous assumer la responsabilité de ça? Du faux? De l'imposture? Non. Non. Monsieur François Hollande, vous pouvez corriger les erreurs de Monsieur Sarkozy qui salissent la France. Oui, ça salit la France. Pourquoi la France est incapable de nous sortir l'acte de naissance d'Ali qui serait né dans l'AEF? Parce qu'il n'y en a pas. Vous êtes complice d'une imposture. La France est complice d'une imposture. Mais vous pouvez la réparer. Et nous, Gabonais, pourrons vous pardonner. Oui, nous pourrons vous pardonner. Nous sommes prêts à vous pardonner. Mais à une condition. Je sais que dans les couloirs, vous avez décidé que même la candidature d'Ali Bongo va être rejetée. Mais il est temps de la rendre officielle. Ali est une imposture. Il n'a rien à foutre des Gabonais. C'est pourquoi il gère avec son petit groupe de
des gens qui sortent d'où lui-même il sait. Donc, comme je disais dès le départ, les artisans de la prise du pouvoir d'Ali Bongo en 2009, qui sont encore dans le PDG, s'il vous plaît, mes chers compatriotes, ressaisissez-vous. Si, n'ayez pas peur, si vous avez commis des erreurs, ou vous avez été, il y a peut-être des trucs par lesquels on vous tient en chantage, surpassez cela. Rejoignez-nous, rejoignez les Gabonais. Soyez habités de l'esprit patriotique. Nos problèmes en Gabonais, nous allons les régler en Gabonais. Nous allons nous asseoir. Nous allons les régler. Mais pour le moment, nous sommes en train de perdre notre pays. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Nous sommes en train de perdre notre pays. Si Ali Bongo est encore là, c'est à cause de vous. Si Akromessi insulte les Gabonais partout, c'est à cause de vous. Le Gabon, c'est là-bas où est enterré votre nombril. Le Gabon est tout pour vous. Pourquoi vous acceptez? Si Bongo repasse en 2016, nous sommes morts. Nous, Gabonais, sommes morts. Il va remplacer les Gabonais par des étrangers qui arrivent en masse déjà. Il n'a rien à foutre du Gabon et des Gabonais. Donc, je demande à chacun de vous de prendre et d'assumer ses responsabilités.